m'appelle Sophie, j'ai un blog de cuisine qui s'appelle Wonder Sophie, où je fais un peu de recettes salées, beaucoup de recettes sucrées. Et donc aujourd'hui, on va faire des petits cakes aux bananes Haribo, donc aux bonbons. Donc pour les petits cakes, on commence par faire fondre en fait les bananes, donc les bananes en bonbons. Donc on les met dans la poêle avec 10 centilitres de crème liquide. Et 140 g de beurre. Donc le beurre, je l'ai coupé en petits morceaux. Comme ça, ça va fondre un petit peu plus vite dans la poêle. On le met à feu moyen à fort. Une fois que ça va être chaud, ça va fondre à peu près en 5 à 8 minutes. Pendant ce temps-là, on prépare le reste de l'appareil pour les petits cakes. Donc il y a besoin de 3 œufs. On les met en entier. J'ai pesé préalablement les ingrédients, donc il y a 150 g de farine et seulement 70 g de sucre, parce qu'en fait le sucre est remplacé par les bonbons. Donc là, j'ai choisi de remplacer par des bananes, mais on peut aussi remplacer par des fraises agada ou des carambars si on veut aromatiser les cakes avec un goût différent. Et on va pouvoir, une fois que les bonbons vont être fondus, les ajouter à la préparation. Donc en fait, ça commence à fondre, je sais pas si vous voyez, ça prend la couleur un peu jaune de la banane. La banane chimique, bien sûr. Donc après, on va mettre la préparation dans les petits moules. Donc on fait dans des moules individuels parce que comme ça va cuire moins longtemps, ça cuit 15 à 20 minutes. Si on veut, on peut aussi faire un gros cake et là par contre ça cuira 45 minutes. C'est bon, on va pouvoir l'ajouter. Voilà, en fait là tout est fondu. Je vais juste ajouter la levure chimique. Donc on rajoute un demi sachet de levure. Et la pâte à gâteau est prête. Et il ne reste plus qu'à remplir les petits moules. Tu vas remplir les moules à peu près juste ici, pas complètement. J'arrive même mieux, quoi. J'en mets partout. Voilà, la préparation, c'est pour une vingtaine de cakes à peu près. Donc avant, j'ai préchauffé le four à 180 degrés et on va les faire cuire 15 à 20 minutes. Okay.